Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans le camp de feu. Tozana et tukana na pisa moto. C'est vrai que nous venons pour terrasser le monde des démons. Ya solo te ko koi sa ba démona. Mais en priorité, nous venons d'abord pour adorer le maître. Yambo toye ko gumba melankolo. Nous venons exalter le roi. Toye ko neto la moko. Nous venons louer celui qui est allé à la croix pour nous. Toye ko sansola oya kenda ki ne kulusu pona biso. Amen. Amen. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose que nous ignorons peut-être, que nous ne connaissons pas souvent, le marché des nuits. Le marché des nuits. Ou le marché d'un seul pied. Ce qui est vrai pour le marché, l'est pour l'église. Ce qui est vrai pour l'église, l'est pour une famille. Ce qui est vrai pour une famille, l'est pour un service. Ce qui est vrai pour un service, l'est vrai aussi pour une école. Les marchés de nuit. La famille de nuit, le travail de nuit, l'église de nuit, l'école de nuit. Nous lisons 5 passages de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans Nahum 3, verset 4. Le deuxième dans Ésaïe 52, verset 3. Le troisième dans Matthieu 13, verset 25. Le quatrième dans le psaume 74, verset 20. Et le dernier dans Job 4, verset 12 à 15. Je m'en vais lire Nahum 3, verset 4. Pour que nous comprenions, commençons par le premier verset jusqu'au quatrième. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences. Et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers se lancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Verset 4 qui nous intéresse. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée. Pleine d'attrait, habile enchanteresse. Pleine d'attrait. Habile enchanteresse qui vendait les nations par ses prostituées et le peuple par ses enchantements. Ésaïe 52, verset 3. Pour que nous comprenions également, nous commençons par le premier verset. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Lamuka, lamuka, pemimonisa. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secours ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Le verset 3 qui nous intéresse maintenant. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendu. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Matthieu chapitre 13, verset 25. Commençons par le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Le verset 25 qui nous intéresse.
Mais pendant que les gens dormaient, pendant la nuit, son ennemi vint, s'aimant de livrer parmi les bleus et s'en alla. Le psaume 74, verset 20. Commençons par le verset 18 ou 17. Tu as fixé toutes les limites de la terre, tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Verset 20 qui nous intéresse. Aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres ou ténébreux du pays sont pleins de repères de brigands. Enfin, le Job 4, verset 12 à 15. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Le marché de nuit. Alléluia. Amen. L'école de nuit. Kelasi yabutu. Le travail de nuit. Monsala yabutu. Même l'église de nuit, si vous lisez Ézéchiel 8, vous trouverez ces choses. Église yabutu parce que tangi mokande Ézéchiel ezali pe nakati. C'est une réalité. Ezali solo. Un aspect du combat spirituel très important. Mais que les croyants, les intercesseurs et l'église connaissent à peu près. Ils ne sont pas encore parvenus à lutter contre les puissances qui attaquent les hommes et les femmes la nuit. Les gens souffrent souvent la nuit et font l'expérience en ce moment des grandes attaques. Beaucoup de gens en bonne santé, joyeux, forts et habiles, et normaux, sont allés au lit le soir pour dormir. Alléluia. Amen. Mais ils se sont réveillés le lendemain avec des maladies mystérieuses, avec des troubles mentaux, avec des échecs dans les affaires, avec même la mort de leur bien-aimé la nuit, des problèmes dans leurs relations conjugales et même beaucoup de mésaventures. Quand nous allons au lit la nuit, nous n'avons peut-être aucune idée de ce qui se passera pendant que nous dormons. Mais le matin, nous en récoltons les fruits et les résultats. Généralement, les hommes meurent la nuit. Marcher de nuit. Ah, Wenze Abutu. Alléluia. Amen. Si vous n'apprenez pas à lutter contre les marchands
et les brigands de nuit, vous continuerez à avoir des problèmes dans la vie. Les croyants qui savent comment lutter contre les brigands et les marchands de nuit, qui sont les marchands et les brigands sataniques, ils découvriront que la racine ou la fondation des problèmes se mettra à s'agiter. Un jour, une fille a décidé de brûler dans la prière. Elle a vraiment organisé des moments intenses de prière. Voici qu'une vieille dame vient de son village natal pour venir lui demander pardon. La fille dit, tu me demandes pardon pour quelle raison? Qu'est-ce que tu m'as fait de mal? Écoutez la révélation. Ça fait 20 ans. Et j'avais pris tes bandes hygiéniques utilisées quand il y avait des règles. Je les ai amenés au village. Et là, j'étais envoûté. J'ai bloqué ton mariage et ta maternité. Et ça fait une semaine. Je ne fais que me brûler toute la nuit. Je suis venu te demander pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le marché de nuit. Une autre fille qui avait une amie intime. Elle ne pouvait jamais soupçonner cet ami. On a organisé par rapport à ses enseignements une saison de prière. Elle a pris sa vie au sérieux, ce que je souhaite pour toi également. Dieu lui a révélé. En songe une nuit, elle rêve une vache qui est venue lui piquer les cornes au bas-ventre. Elle sursaute. Elle va chez sa meilleure amie pour lui raconter les rêves. Sa meilleure amie lui demande d'aller voir les pasteurs. Alors celle-ci dit, accompagne-moi alors pour qu'on aille voir notre pasteur. Il vient voir les pasteurs. Pendant qu'on explique les problèmes, les pasteurs se tournent vers la meilleure amie. C'est la dernière fois. Si tu continues encore ce que tu es en train de faire là, tu mourras. Tu as compris? Oui, homme de Dieu. Elles sont rentrées. La deuxième fois, la même fille encore rêvait la vache. Et cette fois-ci, elle est rentrée seule chez son pasteur. Le pasteur lui a donné un conseil.